mercredi 15 octobre 2014, autour de 19h, un groupe d'hommes armés vint sur dans le quartier Ngadin, commune de Rwenzori. Tout commencera chez Moussetingue, où nombreux habitants prenaient un verre. C'est Matadi, un militaire fardessé qui sera la première victime. À quelques mètres de la route nationale numéro 4, c'est une femme et ses deux enfants qui seront tués. Cette nuit-là, les assaillants utilisaient des lampes torches pour éclairer leur chemin, ont témoigné les rescapés qui ne s'attendaient à aucun dégât. L'ennemi prendra la direction de la plantation Lissampa, tuant toute personne retrouvée sur leur chemin, affirmé Moussikite, chef adjoint du quartier Ngadi. Masasi na kuya iko nafata hii njia. Na wakati iliko nafata njia ya plantation, walikuya na wiko na uwa watu. Sio bote tunajifungia mnyumba. Balabala balianja uwa komanda, komanda Matadi. Toka kubarabara, sekatu metre na gudron, wakapiga mama moya pale na batoto yake bawili. Kutoka pale, wakakuya tu iko naingia kwenye plantation, kulikuwa kijana moya. Sasa alitokaka kuya fukuzie kukuya ingia kwenyumba, wakampiga masasi hapa kumlango wangu hapa. Kulikuwa komanda moya. Moya lietna na ule wakamuua kule chini kule walikuta batu sita kwa nyumba bakaua bale batu sita bote hiyo kusema hapa kumugini kulikufa batu 12 na ndio baliingia sasa kuenda kule kumashamba na kuanza kuua batu kule kadu bamale mangolomu wele zile siku moja bote balienea 33. C'est tout le monde qui va couler les larmes, béni sera sombre. Le cercueil des victimes s'est exposé à la tribune du 8 mars en face de la mairie de Beni, sous une forte émotion, en attendant l'arrivée des autorités provinciales congolaises et de la MONUSCO avant l'inhumation. Cet acte sera attribué aux rebelles des forces démocratiques alliées à ADF par les autorités. Madame Kiabusiku avait perdu 6 membres de sa famille. Anabawia pa abaya malisha takuku basi mwingine anakufa na bibi yake na bangine banaacha babi tuine mwanamke na tatu na mwanamke moja basi baba ngine na balikuwa bambizi na boste banaisha. Cet homme avait perdu son épouse qui était au champ à Kadou. Nilipoteza kama mwanamke yangu ya simu wa muri kilizi. Tukasema, nikasema niende angalia, kuanda kamata mwanamke shamu. Baba, mwanamke yako asha fariki, basha muua. Le victime seront enterrées au même endroit au cimetière de Massiani. Les massacres vont continuer jusqu'à embraser la commune de Beou et d'autres villages et localités du territoire de Beni.